je vais faire le train et vous, vous allez faire les personnes qui sont effrayées, qui n'ont jamais vu d'image de cinéma, croyant que le train va les écraser. La scène qui s'est passée à Paris, lorsque les Parisiens, les premiers spectateurs du cinéma, ont vu l'arrivée en gare du train de La Ciotat. Vous savez qu'ils ont eu peur, qu'ils ont quitté la salle. Donc j'aimerais que l'on refasse cette séquence. Faites les étonner, hein, parce que vous ne savez pas ce que vous allez voir. Vous n'avez jamais vu de film de votre vie. Vous êtes les premiers spectateurs au monde du cinéma. Et c'est grâce à La Ciotat, les frères Lumière, qui ont fait ce film, donc ici. Alors attention, le petit point va partir et avance. Alors à l'époque, vous n'allez pas vite le train. Non, et, par contre, attention, c'est du cinéma muet, il y avait un pianiste dans la salle. Donc il ne faut pas commenter. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes intrigués. Voilà, c'est tout. Les enfants aussi. Les enfants sont très intrigués. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu la photographie, mais pas le cinéma qui bouge. Alors attention, je repars. Le train repart. Je ne vais pas faire de bruit. Alors, pas de sourire, s'il vous plaît. Vous êtes intrigués, puis effrayés, et après vous avez peur quand il arrive de près qu'il vous écrase le train. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, un train qui vous écrase. Hein? Donc voilà, imaginez tout ça et ayez la peur de votre vie avec des gestes où vous partez en courant, où vous baissez la tête, vous faites tout ce qu'il faut, comme si vous aviez peur. Vous pouvez vous réfugier sur votre voisin, ou si les enfants peuvent serrer leurs parents dans les bras. Hein. Donc voilà, c'est vraiment de la peur. On va faire de la frayeur à La Ciotat avec l'arrivée du train, on reconstitue ça. Vous êtes les premiers spectateurs. Les gens qui sont debout, je leur demande aussi de participer si on ne sait jamais. Et donc, comme ça tourne là, attention, le train arrive, il est très loin. Allez. Donc, vous êtes intrigués de savoir qu'est-ce que c'est ce point qui grossit. Ah, c'est un train, on l'a vu à la gare le train, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là, attention. Thank you.
Bravo Gérard, bravo. J'aime la vitesse comme un motard, je laisse les échos comme à la montagne sans oublier le fond de mon temps.